Bonjour à tous, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis devant cette grande statue, alors que l'épisode précédent ne s'est pas terminé du tout devant cette statue. C'est tout simple, j'ai mon disque dur externe qui a cramé. Donc oui, au revoir, je m'en fous. Qui a cramé, donc j'ai perdu... J'avais enregistré 3 épisodes de Morrowind et j'en ai perdu 2. Donc je fais cette petite intro pour vous expliquer ce qui s'est passé dans les 2 épisodes que j'ai perdu, car j'ai réussi quand même à sauver un épisode, et c'est l'épisode le plus important, c'est-à-dire l'épisode où je redeviens humain. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que en bas à droite je n'ai plus le vampirisme. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 épisodes? C'est très simple. J'avais démarré ici si je me souviens bien, et j'avais traversé jusqu'en bas de la carte pour pouvoir justement arriver là où je suis actuellement, pour pouvoir enclencher la mission pour enlever le vampirisme. Et c'est cette statue qui est un dieu Tedra, salut Molagmal, qui m'a donné une mission pour justement enlever le vampirisme, et il fallait que je lui que j'accomplisse une quête pour lui, et il fallait que je retourne tout en haut ici pour assassiner sa fille et son amant. Voilà, c'est ce qui s'est passé pendant les 2 épisodes. Donc oui, c'est pas beaucoup, mais quand on voit la distance que j'ai parcourue à pied, ainsi que justement, à mon avis, ici, par exemple, des petites grottes, que vous savez que quand je vois une grotte, j'y vais directement, eh bien, j'ai visité quelques grottes et je suis venu ici. Donc c'est à partir de là que cet épisode va commencer, c'est-à-dire que je serai normalement déjà... ici, je sais plus précisément, à l'endroit où il faut pour essayer de trouver sa fille et son amant à assassiner pour pouvoir enlever le vampirisme. Voilà, donc je m'excuse pour ce petit problème technique, mais il faut savoir que j'ai perdu 1 tera de données, donc ça en fait des vidéos, donc j'avais pas que Morrowind, j'en avais beaucoup plus, mais ne vous inquiétez pas, j'ai reçu mon nouveau disque dur externe, parce que j'en avais commandé un autre. Donc je pourrai de nouveau enregistrer d'ici quelques temps, le temps que je trouve du temps libre pour enregistrer de nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, Morrowind va continuer. J'ai juste perdu 2 épisodes, mais ce n'était pas, heureusement, ce n'était pas les plus importants. Donc je vous laisse découvrir comment je vais redevenir humain. Salut tout le monde et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Morrowind spécial vampire toujours. Donc... je suis à la recherche de la fille du Tedra, du dieu Tedra, pour pouvoir essayer de devenir de nouveau humain. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve une pétain de grotte qui est quelque part dans le coin et que je ne retrouve tout simplement pas. Donc on verra bien par la suite. Déjà là, je fais discretos. J'ai trouvé ici un petit tombeau ancestral, donc on va bien voir ce que cela va nous donner. Ah, tu fais mal toi. Waouh. Coucher, je te demande de te coucher. Bien. Ouh, t'es gentil, Norman, tu me redonnes une flèche. Il est gentil. J'avais vu piégé. Si, si, je vous jure. Et j'étais trop rapide. Ah, c'est cool ça. Coffre. Oh, j'ai horreur de ces genres de zones où il n'y a que dalle. Mais rien d'intéressant. Oh, une potion. Des maladies de bradé. Oh, je pèse trop lourd. On va jeter la potion maladie bradée. Qu'est-ce que tu veux que je jette ou que j'utilise? Potion d'endurance, potion de quelque chose, potion de... J'ai pas un truc qui pèse lourd là, c'est quoi ça? Ben voilà, ébonite, dégage. Voilà, j'ai gagné 10 kilos. Ah, 10 kilos, on a vu, c'est pas des kilos, mais... Aïe 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 aïe. C'est toujours, alors j'ai un coucou toi. D'ailleurs, un petit truc tout bête, je vais retourner juste pour voir si j'ai bien visité tout le coin. Ah oui, elle est vraiment, c'est vraiment un tombeau de merde. Enfin, c'est un tombeau qui sert à rien. Ah, je t'ai pas tué toi.
Ah non, ça doit être son pote. T'as tué ma gonzesse. Oulala. Putain. Alors, au sud, au sud, au sud. C'est plus tard que je suis au sud et que je retrouve. Putain, elle est une crotte, quoi. Ça doit pas être bien loin. J'ai pas trouvé une. Je regarde comme ça maintenant, on sait jamais, hein. Putain, une crotte, une crotte, une crotte, une crotte. On fait toujours attaquer. Non. Une grotte. Oula, poum. Il esquive, poum. Achève. Que c'était beau. C'est quelque part dans le coin. C'est clair que c'est sûr, c'est au sud de machin. Je suis au sud. Non, je me balade. Et une grotte, c'est pas des masses compliquées à trouver. Il y a eu pire, il y a eu pire. C'était beau, ça. Ah là, là, je vais plus du tout au sud. C'est sud-est. Au sud-ouest. D'ouest, pardon. Sud-ouest. Voilà. Oh, ma flèche, toi. N'empêche que je deviens bon au niveau rubis. Oh, putain. Tiens. Putain. Où est-ce qu'elle est, cette putain de grotte de merde? C'est dans le coin, je le sais. Je vais passer tout l'épisode ici à tourner en rond comme un trou du cul parce que je ne trouve pas cette putain de grotte. Crève. Il y a un deuxième là-bas, je l'ai vu. Oh, presque. Voilà, comment je vous explose votre tête. Allez, ben on va visiter. Hein. Une grotte, une grotte, une grotte, une grotte au sud. Le problème, c'est toujours quand c'est écrit une grotte, des fois super loin, super bien caché, je sais pas. Que la grotte de où j'avais tué la loi était déjà bien cachée. Alors quand vous avez vu ce qu'il fallait faire pour pouvoir les trouver, allez, ce sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Ce vampirisme de merde. J'ai pas déjà été ici? Non, c'est pas possible parce que j'étais pas visité ici. Est-ce que ça... Oup, ça doit être lui que je le butais. Ouais, Kizaki. Ouais, Kizashi. Un jour j'arriverai à le dire correctement. Ouais, Kizashi. Réchauffe-moi. Ah, raté. Merci. Allez, plus que la poufiasse. Monte ta gueule que je t'éclate. Pêche que j'ai toujours pas de meilleur arc depuis le début du jeu. C'est le même arc que j'ai depuis longtemps. Oh, il y a des champignons. Qui veut des champignons? Voici une phosphorescente. Tant pis. C'est toi la méchante? Remarquable, la vampire Armorine est encore en vie, façon de parler. Oui, également. Si vous intéressez aux possibilités de guérison, je ne peux rien pour vous, mais je peux vous dire comment. J'ignore si le vampirisme est une maladie ou non, et même si c'en est une, je ne sais pas s'il est possible de la soigner. Mais j'ai entendu des rumeurs faisant peut-être un remède, et je me souviens y avoir lu une référence dans un livre de Léa et Vampire. Mais vous aurez sans doute du mal à le trouver, car le temple est mis dans l'index, et il me semble que le livre est accepté. Petite seconde. Pourquoi tu m'engueules? Où est la Grunda?
pas toi que je cherche. C'est pas toi que je cherche vous, la Grunda. Pourquoi je viens de sauter dans le vide là, un truc phénoménal. C'est un beau saut. Caverne inexplorée. C'était ici. Oh. Ah là là, tout ce qu'on doit pas faire pour pouvoir redevenir humain, putain. Parce que ça se trouve, ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'il faut faire, mais je sais pas, moi ça... L'autre il a dit tuer un connard et une connasse, donc faire ça c'est plus facile de tuer un connard et une connasse. Est-ce que je suis moi? Où bon, on va l'éviter. Où est-ce que je suis? Une connasse, il faut que je trouve une connasse. Rien connard en givre. C'est moi ou je suis en train de marcher sous l'eau? Ah non. Parce que vu le bruit, je pensais que j'étais en train de marcher tout en étant sous l'eau. Alors là, je suis vraiment paumé. Un gobelin. Si en fait c'est un gobelin, je pense que c'est précisément en fait. Un dévoreur, ok. Ah, plouf. J'adore les grandes piscines. Ouh. Il est bien fait de plonger. Coucou toi. Alors, je sens qu'il fallait passer par là. Ou au-dessus. Oh, un poisson. Oh, il n'y a plus de poisson. C'est pas là que je viens. Non. Je suis paumé. Je visite tranquillement, hein, mais... Où est-ce que je suis? Je suis dans la bonne grotte, ça c'est clair. Oh. Kai ? Oh là là. Ça valait le coup de venir ici, hein. Mais non, pas modifier la note. Bon, on va retourner là-bas, je vais faire un coup de lévitation, parce qu'il y avait un pont qui m'intéressait. Ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, mais vu que je vois pas vraiment ce qui... J'ai vu que je ne vois pas vraiment ce que je dois faire. Oui, là c'est pas par là, ce que j'ai dû... En fait, je sais même pas par où il faut aller. Voilà, c'est ce pont là qui me perturbe. Oulala. Là. Bon, comme d'habitude, j'ai failli crever. Alors, où est-ce que ça va m'amener ici? Oh, mais c'est pas possible, il faut que je fasse que des lévitations, quoi. Il reste combien de lévitations, au moins? Putain, il m'en reste 4. J'ai intérêt de faire le bon choix, où est-ce que... aux endroits où je vais.
Qu'est-ce qui m'arrive là? Ça doit être ça. Ils sont là, les petits trous du cul. Tiens, et toi, retourne voir ton père en enfer. Ou à Molagma, Molagad. Votre journal a été mis à jour. Toi, je prends quelque chose pour être sûr. Je lui prends ça et je vais lui donner ça. Comme ça, il sera content si. Voilà. Et maintenant, je m'en vais comment? Donc, journal. Hop. J'ai réussi à tuer machin et son amant. Ça, c'est putain, c'est son amant. Les amants. Bon. Eh ben, c'était bien, dis donc. Une gorge de boutons. Les dodo, c'est ces boutons-là. Récupération totale. Magnifique. Si je peux appeler ça une récupération. Ouais. Allez, let's go. Ouais, maintenant, je me suis fait au vampirisme, on va dire. Hein, c'est... un petit peu. Je vais passer par là. Bon, c'est toujours chiant le fait de devoir se balader que la nuit. Mais ça va, c'est pas pire que dans... Oblivion. Oblivion, c'est vraiment casse-couille, quoi. Même si là, c'est quand même bien casse-couille, quand même, hein, le fait de pas pouvoir parler à qui que ce soit. Je sais même plus s'il y a moyen d'en... j'aimerais bien remonter, moi. Merci. Allez, hop. La sortie. Non. C'est la sortie. On y est presque. On y est presque. Et bientôt fini. Alors cet épisode sera peut-être un peu plus long, ce que je compte... enlever le vampirisme, essayer du moins d'enlever le vampirisme dans cet épisode là, c'est à dire je retourne voir le gars d'Edric, le dieu d'Edric plutôt, c'est ça, parce que c'est un dieu à la base, hein. C'est certes pas un gentil dieu, mais ça reste un dieu quand même. Ah oui, lévitation de choix de qualité standard. Putain, ouais. Là, je me dis heureusement que j'ai tué le mec. Je ne sais plus. Celui dont j'ai chié pour le trouver. Parce que je me sers que de ça, de la lévitation. C'est phénoménal. Là, je vais visiter par là. Tiens, aussi. J'ai pas fait. Ah. Je sais pas, t'allais pas me taper. Non, j'allais pas te tuer. Hein. Mais bon, vu que t'as l'air d'être un con. Ouais, il y avait rien du tout en fait. C'était bien, il y avait rien. Ah, j'ai val. Aïe, je suis tombé. Toi, je vais pas te tuer, t'es gentil. Même si c'est tentant. Mais je vais la laisser en vie au cas où le dieu d'Edric ne me sauve pas du tout. Parce que oui, c'est déjà arrivé dans certains Elder Scrolls que les dieux nous disent oui, on va te sauver. Tiens, voilà, on est copains. Mais oui, on est copains. Et au moment où... il est censé me donner, me remercier pour ce que j'ai fait pour lui. Bah, dès que je t'envoie des monstres d'Edric sur ta gueule, et si t'es pas content, c'est la même chose. Donc résultat, bah, je ne peux pas faire autrement. Boing. Je saute, je val. Heureusement que j'ai pris toutes les potions d'évitation, je sais pas comment j'aurais fait ici. J'ai bien fait de les prendre. Putain, qu'est-ce que j'ai bien fait. Ah, chargement. Camp des Yadnab. Quand j'ai lu ça, j'ai cru lire camp des zombies. Ah, ils sont de nouveau tous sur ma tête. Secours. Ah là 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 là, et c'est reparti pour la marche. Et je viens de me rappeler à l'instant que quand je serai de nouveau humain, faudra que je rentre balance au moins une centaine de poids.
Donc, un dieu, une arme d'Edric. Et il faudra que je réfléchisse à laquelle balancer en fonction des... j'allais dire des masses. Pas des masses, mais en fonction des... des types d'armes. Parce que si, par exemple, pour augmenter un talent, on peut utiliser trois armes différentes, bah, je vais en garder une, et je vais garder, bien évidemment, celle qui coûte la plus chère. Non, celle qui fait le plus de dégâts. Évidemment. Même si celle qui fait le plus de dégâts, la plupart du temps, c'est celle qui coûte le plus cher et qui utilise demain. Je suis toujours occupé de regarder la carte pour voir si je ne vais pas dans un autre endroit. Enfin, je veux prendre exactement le même chemin histoire de ne pas passer à côté d'une grotte. Allez, on y retourne. Oh non, je suis pas coincé. Ça va. Au pire, j'ai encore deux potions de lévitation, mais j'aimerais pas les balancer pour les utiliser pour une merde pareille. Quoi. Allez. Oh, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Et donc, quand je serai de nouveau humain, le premier truc que j'irai faire, c'est de prendre un véhicule, si on peut appeler ça un véhicule, pour pouvoir de nouveau voir la guilde des guerriers. Parce que ça sert à rien que j'aille maintenant, sinon il va m'envoyer chier. Donc, il voudra même peut-être me buter. Et s'il me bute, il faudra que je riposte et toutes mon arme et toutes mes armes vont, toutes mes missions, pardon, vont être annulé. Bah, j'aurais pu continuer la guilde des voleurs, des guerriers, quoi que ça. Alors, on m'a dit que la guilde des voleurs, si je finissais la guilde des guerriers, la guilde des voleurs serait annulée. Mais après, faut voir la mission finale. Hein, je suis pas encore arrivé là. Chargement. Parce que, quand même, parce que je, pour l'instant, je fais partie de la guilde des guerriers et des voleurs, hein, un peu comme dans les autres Elder Scrolls. On peut faire partie de... Oh putain. On peut faire partie de toutes les guildes à chaque fois. Et ça fait bien sûr, bien évidemment, des quêtes supplémentaires. Même si, pour Skyrim, les compagnons, ma quête... je fais partie des compagnons, mais la quête que je suis en train de faire, elle est totalement pourrie et à cause d'un bug, je ne peux pas la faire. Donc c'est génial. Parce que j'aurais dû en fait commencer par là, par cette guilde là, mais je ne savais pas. Et comme tout le monde, on fait un petit peu comme on veut, on se balade par-ci par-là, on fait les missions qu'on a envie de faire. Et en gros, maintenant, il me demande de tuer une bestiole que j'ai déjà tuée. Et la mission n'est pas validée. Donc en gros. Bah, j'ai pas fait. Et je ne peux pas le faire. Alors, si je veux la faire, il faut que je recommence une partie. Non, ça me dérangerait pas de commencer une autre partie, mais vu que ça coûte. Qu'une partie dure environ 150 heures minimum. En sachant que là je suis à 150 heures dans Skyrim et que je n'ai toujours pas fini le jeu. Le mode normal, le jeu normal, c'est-à-dire sans les extensions. Extensions que je n'ai pas encore pour le moment, mais ça risque de venir à jour. Alors pour ceux que ça intéresserait, hein, si vous vous demandez si le Elder Scrolls Online m'intéresse. Je répondrai oui, il m'intéresse, mais vu que ça coûte 12 euros et quelques par mois pour pouvoir y jouer, ben ils vont rester avec quoi. Parce que. Oh putain, ça. C'est ce qui m'embête un peu, c'est les 12 euros par mois. Parce que si on paye 12 euros par mois, c'est qu'on a on a intérêt d'y jouer. Parce que ça fait un peu mal au cul de payer autant si on n'y joue pas.
C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais essayé World of Warcraft, même si j'en ai envie, mais vu qu'il y a un abonnement, je ne le paye pas. Je ne le fais pas. Je n'ai pas les moyens de payer tous les mois pour un jeu. Et vu que pour tous les autres MMO que j'ai fait, comme par exemple Guild Wars 2, il m'arrive de ne pas y jouer durant je ne sais pas combien de mois. Pour diverses raisons, hein, soit parce que j'en ai tout simplement pas envie, j'ai d'autres jeux en cours. Bah, ça me ferait mal de payer pour rien. Alors moi je suis plus partisan du j'achète le jeu, même si c'est un MMO, je l'achète, c'est pas un souci. Et le reste est gratuit. C'est-à-dire on peut jouer autant qu'on veut et c'est pas payant. Après payer les extensions, à la limite oui, si c'est. Si l'extension vaut le coup, j'ai envie de dire à la limite oui, mais c'est pas payer un abonnement tout le temps. Parce que là j'ai acheté le jeu, j'ai acheté Guild Wars 2, j'y ai joué pendant un bon bout de temps, et là j'ai arrêté pendant pas mal de mois d'ailleurs, ça fait un sacré moment en fait que j'ai pas fait. Mais faut dire aussi que vu que j'y joue tout seul, c'est pas non plus des masses intéressants. Parce que Pepezilla n'a pas vraiment le temps d'y jouer en ce moment. Et Exalomb, lui, vu que son ordinateur n'est pas encore suffisamment puissant pour pouvoir le faire tourner sans que ça lag, il a, c'est compréhensible, hein. Il est obligé de jouer en basse qualité, et même quand ça en basse qualité ça lag pour rien, ça donne pas envie d'y jouer. Donc au final, je suis tout seul, et vu que quand j'ai fait mon annonce pour faire venir des, pour que les abonnés puissent se rejoindre ma guilde, pour pouvoir faire des vidéos avec eux, des trucs comme ça sur Guild Wars 2, vu que personne n'a répondu, bah ma guilde elle reste toujours avec moi, Pepezilla et Exalomb, et personne de plus. Donc en gros je suis le seul à faire monter le niveau de la guilde, et au bout d'un moment c'est un petit peu chiant. Surtout qu'il y a beaucoup de quêtes de donjons, des trucs comme ça, il faut faire à plusieurs, donc oui on peut faire, on peut aller avec des gens qu'on connaît pas, mais je trouve que c'est plus intéressant de faire ça avec une guilde. Et je ne veux pas rentrer dans une autre guilde, parce que, tout simplement parce que la plupart du temps quand on entre dans une guilde, les joueurs disent il faut jouer régulièrement, et comme je viens de le dire, ce n'est pas toujours mon cas, j'ai arrêté de jouer depuis, je n'ai plus joué depuis un petit moment. Même si des fois ça me plaît de retourner juste pour buter par exemple un dragon ancestral, c'est rigolo. Ça dure pas longtemps, et des fois c'est intéressant. Putain, faut vite que je me retrouve l'entrée, parce que ça commence à faire jour. Est-ce qu'elle est l'entrée de cette connerie? Commence à faire jour, je crains. Putain, oh non, connasse. Comment as-tu osé faire ça? Allez, mets ton cul. Ah, c'est toi qui est stupide, ouais. Allez, vas-y, j'ai pas pu regarder ce qu'elle a, elle, mais... Oh. Ah oui, je crame. Oh putain, les sauvegardes rapides, parce que je suis content d'être là. Oh là là. Je t'ai pas déjà buté, toi, la dernière fois que je suis venu. Oh, t'as aussi une arme d'Edric. C'est un wasabi d'Edric. Un wasabi shaki. Hop, hop, hop. Ouh, bon réflexe en fait de cliquer sur le bouton droit. J'ai pas fait exprès. Oh non. Ok. J'aurais dû prendre une potion de guérison un peu plus puissante. Tant pis. Et pour Guild Wars 2, si ça vous intéresse toujours de venir, ça me dérange pas, vous m'envoyez un message privé si possible pour pas mettre ça dans le commentaire des vidéos. Et c'est avec plaisir que je vous ferai rentrer. Sachant, comme je l'ai dit, que d'un à côté, s'il y a... Oh, à force de parler, je me concentre même plus sur ce que je fais. Comme je le dis, même s'il y a... même si je me connecte rarement, s'il y a des gens dans la guilde, je me connecterai déjà beaucoup plus souvent. Pas forcément pour jouer, mais déjà pour voir si tout se passe bien. Je sens que tu commences à me faire chier, toi. Pas qu'un peu. Qu'est-ce que je fous? Je vais prendre une invisibilité, moi. Ah, putain. Et on tourne. Oh merde, il m'a pas suivi ce con. J'avoue que ça serait vraiment pas mal si vous veniez, s'il y a des gens qui veulent venir dans la guilde de sur Guild Wars 2.
Moi, je trouverais ça rigolo. Je vais crever. Est-ce que j'ai encore une potion pour me soigner? Viens par là, toi, mon coco. Oh, c'est madame courte. Oh, une épée courte. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai deux épées courtes et j'ai un wasabi. Wakizashi. Oh, c'est con comme nom. Bon, j'en balance une. Et lui, il avait quoi? Un wakizashi. Pareil. Il coûte plus cher. Mais pèse plus. Donc. Bon, c'était aussi un épisode spécial blabla inutile. Hein. Mais bon, faut bien passer le temps quand on fait un chemin, quand on marche d'un point A à un point B durant des heures. Je viens chercher mon dû. Je viens. T'as une putain de main intéressante, toi. Fais voir ta grosse épée. Claymore Diedrich, 80 000. Je pèse une tonne. C'est épée longue de là. Épée longue de là. Au revoir. Ça pèse une tonne. Une tonne. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau comme un, ça se jette pas. Oh putain, la puissance du passard. Ça fait mal. Bon, on va déjà regarder. Bon, on va déjà faire autre chose. Un truc tout con. Parce que j'ai la flemme de regarder ça tout de suite. Chute ralentie, c'est pas ça. Hop. Voilà. Veux-tu, s'il te plaît, m'enlever mon... Alors je vais regarder juste après, hein, c'est pas un souci, hein, je vais regarder peut-être même en ligne, on verra bien vu le temps que je mets à chaque fois pour choisir ce que je vais jeter. Mais c'est surtout, là je me grouille, parce que je veux absolument enlever ce vampirisme dans cet épisode et ça sera fait. Voilà. Je retourne au sanctuaire, nanana, je n'ai pas nanana, il a fait ce que j'ai fait, et rencontré le même au frais de Hydra. Oh, je suis plus une vampire. Merci, mon maître. Mon maître. Merci mon maître. Merci mon maître, je t'adore. Alors maintenant, vu qu'elle choisit de ne pas quitter, qu'est-ce que je veux faire? C'est ça que je cherchais. Alors, talent arme. Alors, il y a le hache. Hache de guerre. Hache de. Comme ça, hache d'arme, hache de guerre. Les lances. Les masses, marteau, gourdin, bâton. Ah, masse ou bâton? Attendez. Lance, je peux pas jeter donc. Lance, je peux pas la jeter, comme je l'ai dit. Arche, je peux pas la jeter. Arme contendant, masse, je ne peux pas la jeter. Et le reste, c'est arme. Pour CP et tout ça. Combat sans armure, ouais. Enfin, à la limite, je peux l'enlever, mais. Donc, et bâton. Arme contendante. Arme contendante, une main. 20, 30, 30, 16, 16. Ok, bâton, au revoir. Je viens de perdre déjà un bon petit truc. Lance, je peux pas l'acheter. Masse, je peux pas l'acheter. Épée, épée. Putain, je suis obligé de jeter des armes d'Edric quand même. C'est phénoménal. Poids 1, c'est pour ça qu'il fait plus de poids. Bon, allez, à la limite, ça, allez, vas-y, dégage. Le 80 000, ça pèse pas des masses non plus, donc c'est pas ça le souci. Marche sur l'eau, ouais, pourquoi pas. Ah, le poids, c'est pas ça non plus qui fait. Qui fait des trucs non plus, hein, c'est pas ça. Dague en vert. Un poids, c'est pas ça non plus. Dague tout court, à la limite, ça, mais. Ça pèse à 9 quand même. 9 quand même.
Bon, allez, tant pis, au revoir, toi. Voilà. J'ai toujours trop. Il faut que je sois à 480. Bah oui, il faut que je redescende. Et vu que ça, c'est énorme. Lame longue. C'est justement ce que je voulais. Lame longue. Mais en pétain, la puce. Le prix de ce truc. Bon, et ben, je crois que je vais plutôt arrêter cet épisode ici. Hop, sauvegarder, bien évidemment. Et regarder ça en hors ligne et jeter toutes mes armes en hors ligne. Comme ça, on verra bien ça. Parce que je risque de prendre un peu de temps pour choisir. Et vu que ce n'est pas non plus très intéressant de voir ce que je jette, on verra ça plus tard. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime et de faire un petit tour sur notre page Facebook. Et je vous dis donc à un prochain épisode pour Morrowind, mais sans la... sans le... C'est quoi, je vais perdre un truc? Ah non. J'ai dit Morrowind, mais sans le vampirisme, car j'ai réussi à l'enlever. Salut tout le monde, et après je vais parler à lui au prochain épisode. Salut tout le monde.